Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Je viens de me faire arnaquer par un site qui s'appelle Mon Bien-être et moi. Donc, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Faites très très attention, ne rentrez pas sur n'importe quel site en ligne. Parce que moi j'ai fait une commande et je viens de me rendre compte qu'après 2 semaines, j'ai pas reçu mon livraison. J'ai toujours pas de réponse dans l'email. Ni dans le SMS ou ni sur le numéro de téléphone que je les ai donné. Donc, c'est un site qui est accepté par Google. Donc, je fais une demande même à Google, s'il vous plaît, bloquez cette site-là parce que cette site-là, elle a arnaqué pas mal de gens. Je viens de me rendre compte parce que je viens de me faire arnaquer et là, je suis rentré sur Google quand je fais la recherche. Donc, cette site, il existe. Vraiment sur le Google, mais le Google il a autorisé que n'importe quelle personne, s'il veut faire des recherches pour faire des achats, il peut faire des recherches. Donc pour moi, Google il est au courant, mais c'est juste qu'ils font, voilà, ils font pas leur devoir bien comme il faut, hein. Honnêtement, je suis pas le seul à me faire arnaquer. Il y en a plusieurs qui se sont fait arnaquer là. Donc je peux vous mettre des captures d'écran que j'en ai fait avec. Sur ce site-là, je vais barrer les informations que j'ai données, mais je vais vous prouver comme quoi que je viens de me faire arnaquer, hein. Et puis pour le reste, les personnes qui vont faire des recherches, je vous dis franchement, une petite conseil, bloquez votre carte bancaire tout de suite, changez votre mot de passe de l'email que vous les a donné, et puis essayez de ne pas répondre les appels qui viennent de 01 ou de 09 ou des trucs comme ça, surtout les numéros inconnus. Si quelqu'un qui vous connaît ou qu'il essaie de vous rejoindre pour quelque chose d'important, il va vous laisser un message. Donc si vous laissez pas de message, ça veut dire que c'est un appel frauduleux. Donc les amis, je vais vous partager les captures d'écran sur cette vidéo-là. Comme ça, vous allez tous être au courant. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté parce que moi, j'étais quelqu'un qui faisait n'importe quelle recherche sur Google. Et si je voyais un site, qui a des prix ou qui a des objets qui ont une valeur normale, je partais, j'achetais direct comme un con. Donc aujourd'hui, je vous conseille de ne pas acheter sur n'importe quel site. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Merci.